La source de Sainte-Marguerite est connue depuis l'Antiquité et cette petite chapelle a été érigée après la dernière épidémie de peste car le village en avait été épargné. Rebâti après un accident à la fin des années 50, le bâtiment a aujourd'hui bien besoin d'une rénovation. On a une vraie volonté de préserver le patrimoine de ce territoire, de notre commune en particulier, qui est très, très riche, et singulièrement de cette chapelle de Sainte-Marguerite qui est liée à l'exploitation des thermes, à l'exploitation des sources. La source Sainte-Marguerite est embouteillée, elle est connue. La source coule en effet sous ce terrain et jaillit à une dizaine de mètres à peine. Comme elle est commercialisée en grande surface, les travaux de rénovation sont soumis à un cahier des charges bien précis. Nous avons une convention avec le groupe Intermarché, qui est propriétaire de la source, par rapport à cette rénovation de la chapelle, de respecter à la fois les terrains, de ne pas bouleverser le sol de façon très importante, de ne pas faire venir d'engins lourds pour faire des travaux, au niveau technique, de faire si on a du ciment ou des éléments de travaux de maçonnerie à faire, de les faire un petit peu éloigné par rapport à la chapelle. Le débroussaillage de la parcelle a aussi fait l'objet de toutes les attentions. Plusieurs arbres ont été abattus pour préserver la chapelle, mais les souches seront laissées sur place. Leur déracinement aurait pu provoquer un ruissellement et souiller la source.